4月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français avec notre envoyé spécial Sylvie Chen. 4月6号，在为马克龙总统举行的欢迎仪式之后，中国国家主席习近平在北京人民大会堂与法国总统马克龙进行了会谈。欧洲卫视首席特派记者陈晨刚刚发来了关于这次会谈的信息。安马纽尔·马克龙在会谈中提到了这几个话题。Le 6 avril, après la cérémonie d'accueil en l'honneur du président Macron, le président chinois a reçu le président français en entretien dans le Grand Palais du Peuple à Pékin. Notre envoyé spécial Sylvie Chen vient de nous envoyer des informations sur cet entretien où Emmanuel Macron s'est exprimé sur plusieurs sujets. Nous sommes au Grand Palais du Peuple pour la séquence officielle de la visite d'État du président français en Chine. Cette journée est marquée par des entretiens, des séances de travail, des signatures des corps et un entretien trilatéral avec la présidente de la Commission européenne, ce qui souligne la volonté du chef d'État français de marquer l'unité européenne dans les relations entre l'Union européenne et la Chine. 在这次谈话中，法国总统谈到了他关心的几个主题，例如在人文、文化和研究领域的战略伙伴关系，以及在经济和技术领域的合作伙伴关系，以便以平衡和互利的方式发展中法交流，共同成功地为某些挑战提供答案，如生态转型。另一个要点是，安马纽尔·马克龙谈到了世界的和平与稳定。他说，俄乌冲突给这种稳定带来了打击，他结束了欧洲几十年的和平。我知道中国可以在其中发挥作用，让每个人都回到谈判桌前。我们需要找到一个持久的和平，也就是说，一个尊重国际公认边界和避免任何矛盾升级的和平。我认为这对中国来说也是一个重要的问题，就像他对法国和欧洲一样。我再次感谢你同意，我们也应该有一个三边形式的谈话。我们马上有机会与欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩进行中欧关系的讨论。我相信这是一个机会，也是在一些束缚我们的问题上取得有益进展的方法。Lors de cet entretien, le président français a abordé plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur. Par exemple, le partenariat stratégique sur les domaines humains, culturels, de recherche, mais également économique et technologique.Afin de pouvoir développer de manière équilibrée et mutuellement bénéfique nos échanges et de réussir ensemble à apporter des réponses à certains défis comme celui de la transition écologique. Autre point important, Emmanuel Macron a parlé de la paix et de la stabilité dans le monde. Il a déclaré « L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe.Et je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. Je crois que c'est aussi une question importante pour la Chine, autant qu'elle l'est pour la France et pour l'Europe.Je vous remercie une fois encore d'avoir accepté que nous ayons aussi un format trilatéral. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité d'avoir une discussion sino-européenne avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce qui, je crois, est une chance et une manière aussi de faire utilement avancer certaines questions qui nous lient.